vous retrouver dans la toute première grande édition de cette toute nouvelle semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. La session d'avril 2024 du Conseil national de transition CNT s'est ouverte ce lundi. Tout au long de cette session, les conseillers auront à examiner au moins une vingtaine de projets et propositions de loi. La jeunesse des partis politiques, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024, rappelle aux autorités de la transition la fin de la transition au Mali. Les jeunes ont également exhorté le président de la transition à respecter son engagement. À suivre donc dans ce journal. Les préparatifs de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan vont bon train à travers le pays. Qu'à cela ne tienne, nombreux sont les citoyens qui se plaignent de la conjoncture économique. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le Conseil national de transition CNT a organisé ce lundi 8 avril 2024 au Centre international de conférence de Bamako CICB la cérémonie d'ouverture de la session d'avril. Les conseillers auront à se pencher sur plusieurs projets et propositions de loi. Une occasion pour le président du CNT de rappeler l'engagement de l'organe législatif à œuvrer pour la réussite de la transition. Pour plus de détails, écoutons le président du CNT, Malik Diaw, au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. À l'occasion de l'ouverture de cette session ordinaire du mois d'avril 2024, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif, et en mon nom propre, vous remercier de nous avoir fait l'insigne honneur d'être là avec nous pour ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'an. La session qui s'ouvre aujourd'hui aura à se pencher essentiellement sur l'examen des projets de texte. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble des membres du Conseil national de transition à observer, comme il est de coutume, toute l'attention qui sied la circonstance tout au long de cette session. Sur le tableau de saisie, nous avons déjà enregistré une vingtaine de projets et de propositions de loi, parmi lesquels les projets de code pénal et de code de procédure pénale, les projets de loi relatifs au financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, les projets de loi relatifs à la création de l'Institut national de statistiques et de la Direction générale des domaines et du cadastre. À ces textes déjà déposés sur notre table, nous nous attendons certainement à d'autres dans les prochains jours. Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour un Conseil national de transition efficace, dédié à la réussite de la transition. Dans ce cadre, nous allons de façon périodique éditer et publier les questions écrites ainsi que certains rapports d'information parlementaire d'importance capitale. En effet, sur le plan de la diplomatie parlementaire, cette intercession a été marquée par d'intenses activités parmi lesquelles le déplacement d'une grande délégation du Conseil national de transition en République sœur et amie du Burkina Faso. Une délégation de haut niveau du Conseil national de transition a également participé à Téhéran, en Iran, à une réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine de l'IPCI. Au cours de cette réunion, les parlementaires des pays membres de l'IPCI ont appelé fermement à une cessation immédiate des hostilités à Gaza en particulier et dans tous les territoires palestiniens. La jeunesse des partis politiques, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataire de la déclaration commune du 31 mars 2024, rappelant la fin de la transition au Mali, a tenu ce dimanche 7 avril 2024 une rencontre au siège de l'ADEMA PASJ pour exprimer son soutien indéfectible à la dite déclaration. Les jeunes ont également exhorté le président de la transition à respecter son engagement. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Chérif Koulibaly au micro de notre reporter Diara Amadou.
la genèse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataires de la déclaration du 31 mars 2024, exprime son soutien indéfectible à la dite déclaration rappelant la fin de la transition au Mali. La genèse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataires de la déclaration du 31 mars 2024, tient à rappeler au résilient peuple du Mali que cette déclaration est conforme au décret numéro 20-0335-PTRM du 6 janvier 2022 fixant la durée de la transition au Mali, signée conjointement par le président et le premier ministre de la transition. La genèse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataires de la déclaration du 31 mars 2024, félicite les aînés pour leur attachement constant aux idéaux et valeurs de la démocratie et réaffirme sa solidarité avec toutes les organisations sociopolitiques signataires de la dite déclaration. Par ailleurs, face à la souffrance du peuple consécutive à la situation économique, financière, énergétique, sécuritaire et politique très préoccupante du pays, la genèse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024, tout en apportant sa solidarité aux populations maliennes résilientes, propose aux autorités de la transition de rétablir le dialogue avec les formations politiques et les acteurs sociaux afin d'aboutir à un consensus indispensable sur un chronogramme électoral permettant le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable et acceptable. La parole donnée est sacrée au Mali. Par conséquent, nous invitons le président de la transition à respecter son serment. Dieu inspire les autorités à prêter une oreille attentive aux avis éclairés et raisonnables. Que Dieu préserve notre patrie, le Mali, fait à Bamako le 7 avril 2024. Par ailleurs, une attaque terroriste a visé le poste des armées maliennes à Sarakala, situé à 3 km du nord de Markala, le 7 avril 2024, entre 2h et 4h du matin. Le bilan fait état de 0 morts côté Fama, côté ennemi, 6 corps abandonnés sur les lieux de l'attaque, ainsi que des matériels de guerre et de communication saisis. Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a organisé ce dimanche 7 avril 2024 une rupture collective de jeûne au profit des fidèles musulmans de Kati Fouga. L'objectif de cette activité est de soutenir les populations vulnérables en leur donnant des kits de soutien. La cérémonie était placée sous le haut parrainage du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Compte rendu, la Sindiakité, Massaran Mali. Après les différentes communes du district de Bamako, la commune urbaine de Kati a abrité la cérémonie de rupture collective de jeûne dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité. L'activité a été initiée par les autorités de la transition pour consolider la paix et l'union entre tous les Maliens. C'est aussi une occasion pour les autorités de rapprocher de leur population et d'identifier leurs besoins. Cette rupture se place dans le cadre du raffermissement des liens entre les Maliens. Aujourd'hui, quand nous regardons, tout le monde est ici présent. Toutes les communautés sont là. Donc, c'est vous dire que c'est ça aussi le Mali. Ça fait partie de nos valeurs. C'est une initiative que nous saluons. Nous avons fait un grand pas et ça reste un petit pas. Le petit pas qui reste, nous demandons que nous continuions toujours à être ensemble, à se donner les mains pour pouvoir arriver, ça y est, à la ligne d'arrivée, pour pouvoir atteindre nos objectifs ensemble. Tout en saluant l'initiative, les autorités locales et coutumières de la commune urbaine de Kati ont renouvelé leur soutien aux autorités de la transition pour un Mali meilleur. Et je renouvelle une fois de plus au nom de la population de la commune urbaine de Kati mes sincères remerciements à son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, ainsi qu'à toutes les autorités de la transition de notre pays. En renouvelant une fois de plus notre soutien indéfectible non seulement aux autorités, mais aussi à toutes les institutions de la transition de notre pays. La prière du Maghrib et les bénédictions pour la paix et la stabilité du Mali ont marqué la fin de cette cérémonie de rupture collective de jeûne à Kati.
Ouvrons à présent la page consacrée à la fête de l'Aïd El-Fitr. Cette année, la fête de l'Aïd El-Fitr restera dans les mémoires comme une dure épreuve pour certains métiers, notamment les tailleurs qui sont très loin de leur chiffre d'affaires habituel à cause des coupures intempestives de l'électricité. Nos reporters Maïmouna Ouidraogo, Gabriel Keïta sont allés à leur rencontre. Suivons. Sur leur visage, les stress, l'angoisse, voire la désolation, car le temps presse pour les tailleurs qui doivent rendre des dizaines d'habits à quelques heures de la fête de Ramadan. Dépassés par les coupures d'électricité, ils ne se frotteront pas les mains cette année. Dans certains ateliers, quelques stratégies sont trouvées pour satisfaire la demande. On est débrouillé là, donc on a baraqué quoi. Nous nous débrouillons pour travailler, sinon ce n'est pas du tout facile là. Nous avons un petit groupe électrogène qui prend sur moi la machine à broder. Les autres travaillent manuellement. Des clients sont découragés à cause de ces coupures. Parfois, nous avons l'électricité vers le 4h du matin et cela nous arrange point. On va dans mon wagatim na autant arranger. On va prendre ces gars pour 4h wagatim, 8h là avec eux. Pour pouvoir utiliser d'autres sources d'énergie, les tailleurs ont dû augmenter les prix de leurs prestations, surtout ceux qui utilisent les groupes électrogènes. Le groupe de Nous dépensons 15 000 francs dans l'essence pour le groupe électrogène. Et même avec cela, nous ne parvenons pas à travailler correctement car le groupe ne supporte que deux machines. La perte est vraiment énorme. Nous sommes obligés d'augmenter. Ce que je dis aux clients, qu'ils comprennent que la situation est indépendante de notre volonté, car nous faisons trop de dépenses. Si certains ont les moyens de s'offrir des groupes électrogènes, ce n'est pas le cas pour ce tailleur qui dépend uniquement de l'électricité fournie par l'EDMSA. Dans son atelier, ils sont deux à travailler sur la seule machine manuelle, ce qui cause une énorme perte. Pour cette année quand même, nous ne savons plus quoi dire. Nous avons trois machines à coudre et les deux machines marchent avec l'électricité. Donc, nous sommes deux à travailler avec la seule machine manuelle là. Nous le faisons à tour de rôle et cela nous cause beaucoup de difficultés. Je ne parviens même plus à payer régulièrement mon noyer. Encore une fois, cette année ne laissera pas de bons souvenirs aux Maliens qui souffrent énormément des coupures d'électricité. Malheureusement, on ne sait même pas à quand la fête. Fin du calvaire. À quelques heures de la fête de Ramadan, nous constatons une floraison du marché à bétail dans la ville de Bamako. Malheureusement, l'abondance du bétail n'a aucune incidence sur les prix élevés, nous dit certains acheteurs. Notre reporter Bakary Mcidibé a sillonné quelques marchés de bétail et des points de vente dans le district. Suivons son reportage. Au marché de Faladje jusqu'au Garbal de Nyamana, en passant par le marché de Medina Kroa, le constat est le même. Une forte augmentation concerne l'augmentation des prix de bœufs, une situation dénoncée par les clients. Selon Bassirou Yatasai, vendeur de bétail au Garbal de Nyamana, la flambée des prix est déjà constatée depuis les zones d'approvisionnement. À cela s'ajoutent les coûts d'entretien et alimentation des bœufs qui ne font que grimper chaque année. Cette hausse des prix est un véritable casse-tête pour certaines familles obligées de faire des sacrifices pour fêter l'événement malgré la vie chère. «
non ne met davaro che nere bulo an re mi soro ñine kuma un chef fola kana ñama an ma sa ayro la wure da ko gelen wa mais on na grabal la pour ga sa soro no wala woni no wala ka te ma ma sa am ma ganare ko am ma sa ganare ko donc yanta no wala am bulo ka te meyinga alan cha mi shi ka kele nga an woni do soro an soro bi wolo fla ah soro bi wolo fla le salonero mi shi do sa wote mi shi wa bi woro woro nga ñina tane ñi 3D falendo autant que les clients, les vendeurs de bœufs se plaignent. Une manière de prouver que la crise que traverse le pays a touché toutes les couches de la société. Sénégal, la Guinée, Mauritanie, avec le même jamais qu'il est là. Heureusement, encore cette année, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec les organisations professionnelles de la filière de bétail, a mis sur le marché 3820 têtes de bétail avec 1770 têtes dans le district de Bamako dans le cadre de la 16e édition de l'opération spéciale de vente des bétails dans le district de Bamako et dans certaines capitales régionales pour permettre aux populations d'avoir accès à des bœufs à des prix abordables. On espère que cela profite aux plus modestes. Fête de l'Aïd el-Fitr, le signe a été donné ce lundi 8 avril 2024 par l'abattage de bœufs un peu partout dans la ville de Bamako, dans les services comme chez les particuliers. Gabriel Keita et Maïmouna Ouedraogo ont fait le tour de quelques quartiers pour voir les conditions dans lesquelles les animaux sont abattus. Suivant. Malgré la situation économique difficile là, les traditionnels tontines pour l'achat de bœufs de la fête de l'Aïd el-Fitr ont encore eu lieu dans les quartiers, les services et les entreprises. Un fait qui s'explique par le manque de moyens pour certains et pour d'autres par la recherche du renforcement de la cohésion sociale là. Bon, on va à Bosso, c'est le comme on a là, c'est le monsieur de tout. Donc ça on s'en met voir des frayons là. Donc on fera la scène niveau là. Là c'est le menace à mettre tontine quoi. Nous sommes en train d'abattre ces bœufs à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Depuis des années, à l'occasion de la fête, nous faisons des cotisations pour s'offrir des bœufs. Nous cotisons 50 francs par jour, soit 1500 par mois, pour permettre à tous les membres de payer dans le temps. Vraiment. Pour cette année, ce n'est pas du tout facile. Le mois de Ramadan est venu trouver que la situation économique des uns et des autres était déjà difficile. Et puis, les prix de bœufs ne cessent d'augmenter. Avec la situation actuelle du pays, on va attendre la dernière minute pour voir si on parvient à avoir de la vie. Finalement, ça dit, on a décidé, on n'y a pas sur la marque, on est obligé. Ça dit, à cette occasion, nombreux sont ceux qui ne respectent pas les conditions d'abattage édictées par les services vétérinaires. Si, on a mis Farol là, parce qu'il y a un bœuf vétérinaire. Nos bœufs ont été abattus dans les normes sanitaires recommandées par les vétérinaires. On ne doit pas s'amuser avec notre santé. Les vétérinaires qui sont venus ici ont bien vérifié nos bœufs et ont bien confirmé que la viande de nos bœufs sont de la qualité. Les vétérinaires recommandent l'abattage des bœufs dans les normes hygiéniques requises pour ainsi préserver la santé de la population. D'habitude de le dire depuis il y a 2 ans, j'ai quitté ici. Il faut toujours utiliser le plastique là. Il ne faut jamais abattre en bas ou bien dépecer en bas. Bon, comme ici, c'est les carreaux et les ciments, là, ça passe un peu, on peut dépecer, mais en évitant, c'est-à-dire,
que la viande touche à même le sol. Parce que le plastique quand même est là pour vraiment protéger la viande. Donc je pense qu'on a dit l'essentiel parce qu'actuellement il y a des maladies très graves, des maladies transmissibles à l'homme. Malheureusement, peu de personnes respectent les normes hygiéniques requises aux grandes dames de leur propre santé. Les autorités doivent sévir pour éviter des drames humains. Comme beaucoup d'autres entreprises, le groupe Renouveau a respecté la tradition en abattant ses bœufs pour la fête de l'Aïd El-Fitr. Rigoureux dans tout ce qu'il fait, la viande des bœufs du groupe Renouveau a été soumise au contrôle du service vétérinaire pour s'assurer de leur bonne qualité. Suivons quelques réactions recueillies par Lulumadi Baté. On se réunit, c'est une communion, mais plus précisément pour la fête de Ramadan. À la fin, vraiment, on abat des bœufs et autour de ça, c'est pas d'abord la viande, mais c'est le sens de la collaboration, le sens de la communion au sein de notre entreprise. Et cette année, 2024 aussi, nous remercions le bon Dieu. Donc, nous remercions aussi la direction du groupe Renouveau qui a beaucoup fait. Donc, le personnel même a cotisé, comme d'habitude, mais franchement, la direction aussi nous a offert deux bœufs en plus de seul bœuf, donc ça nous fait trois. Donc c'est le lieu de remercier vraiment la direction et de prier pour les années à venir afin que cette communion vraiment demeure au sein de notre groupe. Ça fait la cohésion quand on se retrouve comme ça, vraiment on se fait des bénédictions et vraiment ça donne vraiment une bonne collaboration. Des douves, les douves du foie. Bon, effectivement, elle a ouvert aussi. Moi aussi je suis venu revoir, je vois que c'est bon. Il n'y a pas de présence de douves là ici. Donc on peut dire que Ces organes sont propres à la consommation. Bon, maintenant, ça c'est le rein. On ouvre aussi et regarde voir à l'intérieur s'il n'y a pas de calcul biliaire. Donc, regardez. Voilà, les reins aussi, c'est bon. Vraiment, l'animal là, c'est un bon animal. C'est un animal beau, peut-être qui a suivi vraiment un bon traitement. L'animal est en bonne santé parce que je vois que tous les organes là sont normaux. Et puis les ganglions aussi, il n'y a aucun problème au niveau des ganglions. Donc on peut dire que cette viande-là est vraiment propre à la consommation et c'est ce qu'on cherche. Et là aussi, de remercier aussi vraiment nos autorités parce que quand ils mettent comme ça les services vétérinaires pour aller vérifier l'abattage des bœufs, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut éviter des maladies, ça peut nous édifier aussi. Aujourd'hui, il a fait des démonstrations que moi je ne connaissais pas. Donc vraiment, moi je crois que c'est une très très bonne chose. En cette veille de fête de l'Aïd El-Fitr, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les femmes. Malgré une certaine affluence, les promotrices déplorent une chute libre de leur chiffre d'affaires. Elles l'ont confié à notre équipe de reportage dirigée par Almako Diabaté. Suivant. La fête de l'Aïd El-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, est un événement incontournable pour les femmes pour se relooker en changeant surtout de coupe de cheveux. À quelques accablures de la célébration de cette fête, l'affluence est quelque peu forte dans les différents salons de coiffure. J'exerce le métier de coiffeuse depuis 10 ans. Je fais les modèles de tresses, mais cette année, je n'ai pas fait de tissage car la majorité de la clientèle sont les enfants. Je fais aussi bien des coiffures d'enfants que d'adultes. La coiffure est un métier comme les autres. Tout ce que l'homme aime sera bénéfique pour lui sur cette terre. Avec la conjoncture économique particulièrement difficile cette année, les promotrices des salons déplorent une chute drastique de revenus. Il y a une très grande différence entre la fête de cette année et de l'année précédente. Il y a moins de clientes à cause de la difficulté financière qui traverse la population cette année. Sinon, toutes les femmes aiment se faire belles. Mais dans cette situation, on préfère prioriser les enfants. Vraiment, il y a eu plus d'affluence l'année dernière. Mais comme il reste encore 2 jours, nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de clientes.
La chaleur aussi nous fatigue beaucoup cette année. Quand il y a assez de monde, nous faisons déplacer certaines pour pouvoir mieux supporter la chaleur. Malgré cette situation déplorable, les coiffeuses gardent le sourire pour faire patienter les clientes. Avec la fête de Ramadan, je commence à 5h du matin pour rentrer à 2h du matin, pour me reposer un peu avant de recommencer encore. La plupart de mes clientes sont des adultes. Quant aux enfants, je les programme pour une journée. Cela évite qu'ils soient trop fatigués. Moi, c'est ma première fois de venir maîtresser ici et je ne regrette pas car elle maîtrise ce qu'elle fait. En plus, elle est rapide. Nous sommes arrivés à 8h avec ma fille et par chance, elle a été coiffée la première. C'est ma première fois ici. Je l'ai choisie parce que c'est plus proche de chez moi. En tout état de cause, la fête s'annonce particulière pour tout le monde, notamment à cause de la conjoncture économique très difficile actuellement. Comme à Bamako, les préparatifs vont bon train à Tombouctou malgré le contexte économique difficile. Écoutons quelques réactions et recueillies ici au micro de notre correspondant Boubacar Djité. Boubacar Djité plutôt. Ça va un peu, mais c'est le bon Dieu. L'année passée, là, ça marche plus que cette année. L'année passée, là, c'est plus mieux. Cette année, il n'y a pas l'argent. Oui, cette année, ça va. Il y a beaucoup de clients qui sont venus. Tout va bien. Il y a assez de clients que l'année dernière. Cette année, quand même, ça va. Il y a une paix de marge. Par rapport à l'année dernière, c'est... Ça va, quand même. Ça, hein. Je suis venu acheter ça pour ma fille. Puis c'est moins cher. Voilà, mais je sens que cette année, ça va mieux que l'année dernière. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête. À bientôt.